Bonjour à tous, c'est Iséo Design pour le quatrième épisode de Warrior 4 The Game. Déjà 4 épisodes. Déjà, moi non, pas déjà. Enfin, quatrième épisode plutôt. Bref. Gros blanc. Bon, bah, vu que j'ai rien d'autre à dire. Ah, si. Spéciale dédicace à Amélie qui m'a demandé de continuer la série. Si tu regardes cette vidéo spéciale dédiée, voilà. Ça servait absolument à rien, mais bon, ça fait quand même. Donc voilà, donc on était à File 4 où on chassait ben, dans les hautes herbes avec étoile bleue. Voilà. Par contre, je sais pas du tout si on va m'entendre. Enfin, pas m'entendre, ça je sais qu'on va m'entendre, mais est-ce qu'on va entendre le son du jeu? J'ai remarqué que dans l'épisode précédent, on n'entendait pas le son du jeu. Chasser. Très passionnant. Moi qui pensais comment la chasse serait bien dans ce jeu, mais en fait, non. Je ne trouvais rien de bien dans ce jeu. Je vais essayer. Mais... Peut-être des trucs, mais pas énormément. On peut chasser que dans les fleurs jaunes, on peut sauvegarder que dans les fleurs blanches. D'accord. Ici, est-ce qu'on peut toujours pas y aller? On peut enfin. Ah oui, est-ce qu'on peut beaucoup chasser par ici? Non, on ne peut pas chasser par ici. Ça, c'est un problème. Voilà, on est directement par là. Si, okay. Je peux sauter. Oh non. C'est quoi ce truc? Attention. Blague raciste en approche. Sérieusement, on dirait Missing No, mais version noire, quoi. C'est quoi cette chose? Non. Non, non. 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 Non, mais non, non. 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 Non, mais non, 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 non. Je suis désolé. Ceci n'est pas un blaireau. Je suis vraiment désolé, mais non, ce ne sera jamais un blaireau. Mais... What? Non. Non, non, non. 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 Un missile no, noir, qui utilise Fatal Foudre. Encore, ok, ça peut aller. Mais à partir du moment où ils essayent de faire croire que c'est un blaireau. Non, 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 non. Non. Ceci n'est pas un blaireau. Je suis désolé, ce n'est pas un blaireau. Ah si, c'est un blaireau. Mais ce n'est pas un blaireau. J'avoue qu'au début, il m'a fait peur quand même. Tu marches dans l'herbe, tu trouves ça. Je suis désolé, mais ça fait peur. Désolé, c'est pas un blaireau. Rengaine inutile, lui toujours la même rengaine inutile, lui, enfin elle, oh non, la flamme va lui parler, toi non plus, hop, est-ce qu'on peut chasser ici? Truc, pareil, je suppose, non, toi rien, donc. Pareil. Sérieusement, sérieusement. Sérieusement. Ah, ce serait pas le clan de la rivière par hasard. Je me demande. Oh, j'ai peur de retomber sur eux.
Messigno. J'appellerai ce truc Messigno parce que ce n'est pas un blaireau, définitivement. Vous avez vu qu'on était tombé sur un groupe de chats buggés qui prenaient pratiquement aucun dégât? Ou un chat? L'autre épisode, j'ai trouvé ça très étrange. Alors là, ils ont l'air d'avoir complètement buggé, donc ça a l'air d'être bon. Il m'a donné une souris, et il est trop gentil. Ouais. Je crois que je suis en territoire ennemi, je ne suis pas sûr, mais je crois. Si je suis en territoire ennemi. Ok, donc là, c'est le clan de la rivière. Et je ne peux pas aller dans le clan de la rivière. Non mais. Il m'aime vraiment pas. Qu'est-ce que je t'ai fait, sérieusement? Insulter ta mère? Niquer ta grand-mère? Qu'est-ce que t'as contre moi? Dans ta charnière, à me tuer sans cesse. Encore? Deuxième mort. Deuxième mort. Qui est vraiment dur ce jeu. Donc je crois qu'on va continuer à se battre, à se faire l'autre apprenti inutile là, jusqu'à ce qu'on gagne un petit peu d'expérience, qu'on puisse affronter un ennemi deux fois de suite, sans mourir de façon totalement inutile. Donc, à noter que, là je vais utiliser ma souris, ici, non, je vais revenir en arrière. Voyez bien, là. Voilà. Donc, là. Ça. C'est ça. Oui, si vous voulez. Hein. On va savoir un moment. Toujours le même mouvement en gain. Toujours le même sprite à la con. Oh non, pas ça. Très chaud là. Normalement là je le bats. J'ai très peur qu'il me refasse un coup de poison. C'est marrant parce que ça en deviendrait presque stratégique. Presque. Là, bon c'est quand je gagne un niveau là. Parce que je pense que c'est. Si je faisais un jeu à garde des clous, c'est comme ça que ça se passerait. Puis si on gagne des niveaux, si par exemple on arrive au niveau 10, on pourra devenir guerrier. Des trucs comme ça, l'histoire avance en fonction des niveaux. C'est ce qui serait logique en somme. Et les objets que. Ils servent à quoi? Item. Ça servait à rien du tout. SP. On avait qu'un. Mais ça fait quoi ça? SP. Ça, c'est bon. 5 AEJ. C'est parce que c'est On peut passer un petit coup de. Non, merci. Oui. Donc, tous les trucs où j'ai des trucs, ça servait à rien. On va sauvegarder parce que j'ai. Je commence à comprendre qu'on meurt très souvent. Nous sommes bientôt à 10 minutes de vidéo. Déjà, je suis mort deux fois en 5 minutes. Moi, je commence à comprendre l'instinct de conservation des chats. C'est pas juste. Enfin, c'est pas juste. Dans l'histoire, il meurt jamais. Pourquoi ici, il faudrait que je meure? Si, il meurt une fois. Je suis en train de vous spoiler, donc je vais arrêter de parler de ça. Il meurt une fois. Mais il est toujours là. Je viens de vous spoiler. Enfin, les gens qui connaissent, je spoil pas, et les gens qui connaissent pas, après avoir joué, ils vont sûrement pas acheter le livre, alors. Et là, je suis en train de prendre cher. Il va falloir que j'aille vite. Non, toujours pas. Vite. Je sais pas pourquoi je dis excusez-moi. 3, 3, 2, 1.
10 minutes! Désolé. J'ai rien que ça à faire, oui, je vous emmerde. Et allez tous vous faire voir chez les Grecs. Non pas que j'ai quelque chose contre les Grecs, hein. Ils ont la crise. Non pas que j'ai quelque chose contre la crise, j'habite en France. Cette blague était merdique. Mais je l'assume. Oh! Ça fait 5 fois que je passe sur le bouton Escape et je viens de me rendre compte qu'on peut s'enfuir. Voilà. Donc il m'a juste traité de couard et d'idiot. Enfin, plus normal quoi. Quand on a un chat qui s'enfuit d'un combat. Ah, mais c'est que lui aussi il commence à s'améliorer même s'il ne fait que perdre au fil de ses combats. Voilà. Ah, j'ai gagné un niveau. Non, j'ai juste gagné un combat. Bon, je vais aller me healer, sauvegarder. Et je vais essayer de me réaventurer sur le terrain de la rivière. Enfin, de frontière de la rivière. Pardon, ici, ici. Hop là, hop là. Donc, non! Oui. Pas très passionnant ces dialogues, dis donc. En même temps, j'ai des bases d'anglais, mais je connais pas le langage approfondi, on va dire. Je peux pas toujours pas chasser ici. Pas chasser. Non. Qu'est-ce que je vous ai fait? Pas de souris. En plus, c'est toujours les mêmes qu'on rencontre. C'est intéressant. Bon, deux coups, deux attaques. Pouf! Fin! À noter que je sais pas si vous avez remarqué, mais je crois qu'on gagne. Faut que je le batte, mais. Oui, une attaque éclair, hein, bien sûr, bien sûr, bien sûr! Et il ne veut pas mourir, bien sûr, bien sûr, bien. S'affronter à des guerriers, c'est pas une bonne idée. Donc, petit récapitulatif. Musigno est un blaireau, dans les deux sens du terme. C'est quoi l'autre? Ah oui, un apprenti, ça ne fait pas face à un guerrier. Ah, comme ça, hein. Je ne te fais pas face. Hein. Et les apprentis sont des merdes. En fait, on est des apprentis guerriers, bah oui, c'est le but. Et si vous ne sauvegardez pas toutes les 3 secondes, vous mourrez. Quoi dire de plus? La chasse est inintéressante. Rien que pour certaines personnes, je vais continuer le jeu, mais ça offre pas de très grands espoirs. Je doute que le jeu s'améliore. Je pense que ça va être que le livre 1. Bon, il se passe des trucs dans le livre 1, mais j'ai l'impression qu'il a fait que le premier chapitre du livre 1. J'ai pas l'impression que vous puissiez évoluer en guerrier un jour. D'ailleurs, je suis niveau combien? Je suis level 8. On se rapproche, Ah mince, pardon, pardon, m'excuse. Donc, on va s'aventurer une dernière fois, je crois que je me suis. Bon, oui, c'est bon. Donc, je vais m'aventurer une dernière fois. Si je retourne sur un blaireau. Je retourne sur un blaireau. C'est dommage pour moi, puis c'est tout. Et puis là, je viens de me refoirer. Hop, hop. Hop. Ah non, j'ai pire. Enfin non, le blaireau il me tue en un coup. Lequel je tue en premier? Pète, toi. Oh, je gagne. Ok, juste pour la forme, juste après le combat que je vais perdre. Bah, celui-ci quoi. Ah non, j'ai peut-être une chance de gagner. J'ai pas de chance de gagner. Il prend combien de dégâts? Mais il y a une très bonne défense, poil de souris. Et il fait très mal. Donc on peut dire que c'est cheaté. Littéralement. 0 de dégâts, on peut dire que c'est cheaté. À moins que. Mince! Je ne fais pas. Minimum. Et... Ça sert à rien. Bon. Ouais, non. Je vais faire un skip.
cuir, comme un cuir. Voilà, ça j'en étais sûr. C'est aussi un autre truc qui prouve que c'est sur Game Maker. RPG Maker. Oh, je vais me tromper combien de fois dans ce nom, sérieusement. Plus je l'ai utilisé plein de fois. Après, je sais pas si c'est le même que j'utilise, je pense que oui, vu les graphismes. On va se battre une dernière fois histoire de vérifier un truc. Un truc que je voulais vérifier. Quand on gagne un combat, vous allez voir si j'ai raison. Normalement, oui. 404. Je crois qu'il a gagné en défense, lui. 404, il gagne 508. Sérieusement. 406. Voilà, arrête d'attaquer. C'est bien. Normalement, il faut encore deux attaques. Ouais, bon. Oh non, une, voilà. Il est juste nul. Non. Ah, j'ai level up. 122 XP, 51. Ah. Ouais, bah, voilà. Toujours le même truc. Attends que j'attends de nouvelles attaques et puis tu verras, il va te laminer comme une merde. Level 9, je suis bientôt niveau 10, mais malheureusement, on laissera ça niveau 10 pour le prochain épisode. Juste sauvegarder avec vous une dernière fois. Hop là. Mais oui, me soigner, puis aller sauvegarder. Faille 1. Donc, on va se dire au revoir sur ce magnifique petit bouquet de fleurs. Je crois que non, je crois que ceci, ça c'est les toilettes. Petite anecdote très nulle. Voilà, donc bah, ça m'a l'air d'être bon. Donc bah, je vais vous dire au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures en compagnie d'Isée au design. C'est quoi ces voix que j'utilise pour pendant mes épisodes? Bref, ouais. Au revoir les copines.